penses quoi, toi? Guan Yu, le Saint Guerrier. C'est quoi? C'est le Boobs Warrior? Tu sais pas. Bon. Ah mais putain, mais on peut me prévenir dans ce pays quand les vidéos se lancent? C'est pas possible! Bah bienvenue sur Smite France! Bah bien sûr! Bah bien sûr! Vous m'aviez demandé quelqu'un dans toute la masse de machin de... Un Guan Yu solo. Donc c'est parti. Ça fait très longtemps... À chaque fois je dis ça, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué ce personnage et je ne sais plus comment ça fonctionne. Surtout le solo, ça fait très longtemps aussi. Alors je vais commencer par les mains des dieux parce que ça c'est sûr. J'ai un tir en plus rank 10 en face, donc je pense que je vais sacrément saigner de l'arrière-train. Donc ce qu'il va falloir faire, il va falloir partir assez rapidement sur de la défense physique. Ah putain, je sais pas trop quoi. Là franchement... moi je suis du genre à prendre... allez, je vais le faire à la build de façon Usgurald. Bim bam boum. Donc don de l'observateur. Ouais. Non, je vais plutôt prendre prix de la mort. Allez, zou, prix de la mort. Rien à péter aujourd'hui. En mode ça va chier. Plus et une petite ward. Les mecs sont en train de m'attendre là, je le sens. Hop. Et oui, je solo, oui. Bah, de toute façon, je l'ai dit, bonhomme. Attends, non, mais... Alors, donc, je vais commencer par prendre le... Le tac-tac-tac. Pourquoi j'ai un truc qui me dérange, là? C'est le jouet du chat qui traîne, quoi. Hop, je vais commencer par l'assaut Taolu, je crois que c'est ça le nom. Ok, donc l'assaut en fait me permet de faire plein de coups d'affilée devant moi et je vole la résistance à mes ennemis. Vas-y, tu peux Hog? Merci. Donc là, ça servira à rien en fait, c'est vrai. Donc j'aurais dû prendre le soin. Hop. Et donc ça fait des gros dégâts. Alors je sais pas si vous le voyez, mais les coloris du jeu sont dégueulasses parce que je sais pas, depuis que j'ai plus de cartes graphes et que je suis sur un vieux chipset dégueulasse, en fait le jeu... Ainsi que mon ordi, se foutent de ma gueule tout le temps. Avant j'avais des bords noirs, maintenant je les ai plus. Enfin, c'est vraiment complètement n'importe quoi et je commence un peu à en avoir plein le cul. Donc pour que Usgural puisse se payer un PC, écoutez, faites des dons à la Croix-Rouge. Hein. Hop, voilà, donc très bien, j'ai qu'à taper le tank, c'est ce qu'il y a de plus smart au monde. Surtout que c'est un tir qui sait jouer, je suppose, hein, parce que bon, rank 10, même si on a déjà eu des discussions... sur les gens qui m'ont par exemple dit « Oui, mais t'es Arte niveau 5, comment ça se fasse que tu... Comment ça se fasse ? Comment ça se fait que tu sois aussi mauvais ?» Pour ceux qui n'auraient pas lu ma réponse, déjà, les rangs, ce sont des choses qui ne font que monter, qui ne baissent pas. Donc il est aisé de devenir forcément plus fort au fur et à mesure. Donc ça, c'est déjà un point. Si on perdait des points de maîtrise en faisant le con, ce serait une autre discussion. Hop, donc j'ai oublié de vous dire, quand je fais ce dash, je slow le mec. Donc là, Thanatos, si t'as pas bien compris, hein, on t'a cassé la gueule en 4, hein. De quoi qu'il s'y... Tu lane with support... Bon, bref, je suis pas trop ce qui s'est dit pour le moment, vu que je suis en train de raconter ma vie. Ok. I called first... Donc là, c'est le moment où les gens, ils ont pris n'importe quoi, parce qu'ils ont pas lu, en fait, que j'ai dit que j'étais en solo, quoi. Donc il y a un souci. Donc j'annonce. J'annonce que ça va mal se... Voilà, donc voilà, c'est la merde, hein. Donc j'ai un dash, j'ai mon assaut Taolu qu'on a vu et j'ai un heal. Là ils sont, le mec il me traite de gamin parce que j'ai dit que je l'ai dit en premier. Le problème c'est que je l'ai dit avant que tout, n'importe quel tel. Donc je l'emmerde de manière complètement qu'il aille se faire foutre. Voilà, je suis en mode là c'est après le boulot. Allez, hein, voilà. Si j'avais été président de la République, j'aurais dit casse-toi pauvre con. Alors c'est bien, tire, t'as raison, je te vois pas du tout venir, c'est ça qui est cool. Donc, je reviens sur mes petits cochons, sur Artemis. C'est un perso que je jouais quand j'étais monté de mes niveaux de 1 à 30, principalement, que après j'ai quasiment plus joué sauf en assaut. Donc je suis mauvais avec, je l'assume, je m'en fous complètement. On peut perdre toutes les games du monde, et tant qu'on farm, on sera rang 10. Donc rang 10 ne veut rien dire, et le fait que je sois en 5 ne veut rien dire non plus. Ne me jugez pas, ok? Sinon, j'arrête. Non, je m'en fous, mais je comprends totalement le fait que vous soyez... Ah, tu pensais me faire chier? Mais je suis beaucoup plus malin que le joueur que tu es. Mon ulti, donc je suis à dada. Oh putain, mais je prends cher. Qu'est-ce qu'il a comme pour me... Ok, il a juste des boots, niveau 2. Il a eu l'occasion déjà de rentrer, j'en sais rien. Alors, je vais booster un peu mon heal, en fait. Et booster l'assaut Taolu, c'est bien, mais... on va essayer de jouer plutôt la...
La survivabilité. De toute façon, tant qu'il a pas de flash, et il l'a pas, j'ai cette capacité à pouvoir ne pas me faire déborder et gank et complètement défoncer en deux coups. Sauf là, hein, vous voyez, il m'a un peu fait super mal. Enfin bref, il va back, donc c'est le moment de faire pareil. Putain, mais c'est complètement, c'est la game what the fuck. What the fuck, ok. Pour ceux qui n'avaient pas compris, c'était un what the fuck the fuck. Alors, j'ai un niveau de... je vais partir tout de suite sur la défense physique. J'ai pas envie de me faire chier avec le... Hop, on va reprendre une ward. Bordel, où est ma ward? D'ailleurs, j'ai toujours pas posé l'autre. Je vais tout de suite donc partir sur de la def physique pour prendre ma maille mystique. Parce que j'ai un physique en face. Si vous avez un magique, il faut pas prendre ça. Vous finissez les bots si vous le voulez ou non, mais souvent il est plus intelligent pour pouvoir faire un bon solo lane. Pro tips, hein, pro tips. Le mec, il a dit ça, donc j'aurais utilisé les mots. D'utiliser donc. De prendre une défense, peut-être avant de finir vos bots, c'est une bonne chose. Et une défense donc en fonction. C'est-à-dire que si vous avez un mage à la Anubis complètement horrible en solo. Si vous chope souvent, bah il vous ken, hein, y a pas d'autre problème à raconter sur un Anubis solo. Par contre, si vous êtes super mobile, c'est mieux que la Batmobile, bah voilà, hein, c'est quand même cool. Je vais réussir à finir ma phrase. Si c'est un Anubis, je trouve qu'une pierre de Gaïa, c'est plutôt bien. Ça vous permet de rester en vie et de rester longtemps sur la lane avec le régène. Je suis désolé, Nemesis, je ne peux pas venir t'aider. Je suis en train de me faire déborder légèrement. Hop, voilà, maintenant je peux. On va reprendre un coup de soin. Tagada. Soin. Pardon. Alors la question du jour. Ouais, Tyr a pris un flash. Très bien. Donc là, voilà, je l'ai traversé. Il a pris quoi après? Il a commencé le marteau qui lui file de la def et des dégâts. Très bien. Moi, je vais plus partir vraiment sur un build défensif. Car on n'a pas de tank. We don't get any fucking tank, you know. Alors... Ouais, mais là, ça troll, ça s'insulte déjà. Ça va être franchement une game tellement épique qu'on pourrait en faire un film. Mais comme le film épique existe déjà, d'ailleurs un film d'animation que j'ai trouvé relativement nul, eh bien, on va l'appeler Usgushiot. Voilà, c'est quand Usguralde fait de la merde, on appelle ça un Usgushiot. Les mecs, ils disent n'importe quoi, alors que c'est même pas moi qui fais de la merde, hein. Alors, je vais continuer à booster le dada parce qu'il faudrait que je vous le montre un jour. Yeah. Ah ouais, d'accord, mais en fait, le problème, c'est vrai qu'on a un Mercury ADC, ce qui pose de réels problèmes vu qu'il est avec Nuwa. C'est-à-dire que prendre un Mercury ou un Freya en ADC, c'est bien quand on a un tank. Quand on a un Nuwa, les mecs, ils vous sautent dessus, ils vous... Bah il vous pète les fesses quoi, y a pas d'autre mot, je suis désolé hein. Je suis désolé pour les enfants, hein. Vous le saurez tôt ou tard. ça fait très mal. Donc il faut être déjà au courant de ce qui peut vous arriver. Allez. C'est comme quand je faisais des lanes avec ma nana Isis Kronos en duo. On s'est pas mal fait insulter, hein. C'était sympa. Les mecs, t'as même pas besoin de... Ah là là, mais putain, mais taisez-vous les mecs. T'as même pas besoin de jouer mal pour te faire flame quand tu fais des lanes aussi dégueulasses au niveau de la compo, quoi. C'est tellement pas dans le metagame, tu vois. Non, vous voyez, nous, on fait pas comme ça. Ah, le mec, il tue en plus, alors, bordel. Come on, just play. Voilà, allez, Usguralde, comment je te vous parle. Moi, je suis un malade mental. Hop, Asuta Olu. Sur le tutu. Oh, shut up. Oh, you're the reason. For calling. Oula. Calling my lane. Ok. Let me love. Ça, c'est le moment génial. Parce que personnellement, j'ai call ma lane et je suis allé pisser hein, pendant. Hein, quoi? On s'en fout. Ok. Voilà, hein, j'ai fait ce genre de mec insupportable qui regarde pas ce qui se passe quand les gens y piquent. Voilà. Et résultat, bah, ça me retombe dessus. Je trouve ça super. Vas-y, ping. Ping et call sont sur un bateau.
Ils sont rendus dans le même joueur en tant qu'esprit. On va ping et call en même temps. Aïe, mais... Non mais t'arrêtes de suite ce que t'es en train de faire, Tyr, là, parce que... Alors c'est combien la main mystique déjà qu'il me faut en plus? Wadada, mais c'est la peau du fion cette armure quand on a que le niveau 1. Alors, voilà. Ce serait bien que le jungler... Hein, juste un... Genre le jungler, un jour, s'il te plaît, hein, tu viennes m'aider. Parce que vais crever. Donc là, je suppose qu'il est sur le bleu, le petit tir. Même si j'ai aucune manière de le savoir réellement. Alors, voilà. Je vais voir. Non, mais il en sort juste, hein, ça sert à rien de me ping son bleu. Il a le bleu. Si t'as d'autres idées complètement, waouh. Non, mais... Alors, hop. Voilà, hein. J'ai fait un peu nimp sur mes déplacements, mais je voulais voir si allait aller. Moi, j'étais parti pour engage. Malade mental. Ok. Ouais, alors ça, c'est plutôt chouette. Don't clear. Oh là là, mais c'est pas... Ouah, putain, mais t'as eu gravé mal. Faudrait que tu restes sur la lane pendant que je back, cette espèce de saleté. Hein, voilà. C'est un truc de folie furieuse. Les mecs, comment ils s'insultent, façon jardin d'enfants, bac à sable. T'es le pire support que j'ai jamais vu depuis des mois. Ah, quand je parle, j'ai toujours raison si je dis que t'es nul. à partir de là, en fait, il faudrait peut-être que je switch avec le sup. Est-ce que je serais pas en train de faire de la merde en switchant pas? Peut-être bien. Maybe Nuwa want to switch. Je suis en train de me le faire gauler là, j'ai entendu des bruits. Voilà, bien joué. Génial! Aujourd'hui on apprend à se faire niquer les buffs. Oh yeah. Ouais, alors ça sert à rien de dire gank là parce que t'es trop loin. Et puis je pense que le tir à Ward, vu comment il a reculé façon... Me tapez pas! Oh mais ouais, bien sûr, t'as raison, ça contre. Mais bien sûr. Mais Nemesis, t'es sympa, mais t'es un peu con quand même là. C'était le moment, c'était l'ouverture. Yes, tell me sucks. Oh, j'ai pas que ça à foutre, moi, de raconter ta vie, bâtard. Ça y est, j'en ai marre, ça y est, c'est fini. Je vais flame, là, c'est fini. Ah, oh, grattage de nez intensif. On va pouvoir les pousser eux tout de suite, parce qu'eux, ils tapent la tour et c'est chiant. Donc maintenant, ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir commencer à faire mes boots, parce que pour le moment, il peut fuir quand je l'attaque, et c'est un peu casse. Casse-couille. Ah putain, mais Izzy, elle a plus un prout de vie. Allô? Regardez la Nemesis. Moi, je fais les petites harpies pourries. J'en ai rien à branler de ce que tu fais. J'en ai rien à branler de ce que tu dis. Moi, je fais les petites harpies pourries. Ok, bon. Très bien. Alors, le problème toujours, hein, j'ai toujours pas changé cette touche, donc non, je n'abandonnerai pas. Oh yes, ils ont mis non tout de suite. Ah, mais Nuwa, elle est vraiment en train d'aller à gauche. Ok, donc elle a rien dit, je propose, mais elle y va. Soyons fous, on ne vit qu'une seule putain de fois. I want fucking lane. I'm coming. Oh là là, mais c'est impressionnant. Mais c'est le genre de mec. Putain, mais dans la vraie vie, mais je l'attraperai par le col et je lui dirai mais ferme ta gueule, c'est qu'un jeu vidéo. Putain de merde quoi, les mecs ils vous insultent, c'est comme encore l'autre jour, j'ai eu un mec qui m'a dit de... Alors c'est plus get cancer maintenant and die, c'est get Ebola quoi, t'es là, mais putain, mais dans quel monde vous avez été élevé pour parler aussi mal aux autres êtres humains? Putain, c'est un truc de folie quoi, comment ça me... Ça a tendance à vraiment me péter les couilles. Et excusez-moi, c'est le moment rage, parce que ça me fait vraiment chier. Mais crève ! Voilà ! Hein ?
Nous, hein, vu que je suis dans ma période grossière, ben nous on te baise, ok, hein. Nous on est comme ça, moi je suis le gros saint, quoi. Je suis le saint de guerre, ma gueule, ok. Alors, Isis, ça va être carton aussi, hein. Hein, tu vas prendre le ticket pour tout le monde, ok. Ok, j'ai plus de vie. Ok, cool. Merci, Annie. Ah là là. Ejection, je vais crever. Cartanatos arrive. Oh putain, vite. Du soin. Ah putain de chier. Alors là, c'était fail. Wapat. Oh putain. Alors là, le souci, c'est que je zigzague, mais je sais qu'ils sont juste derrière, que j'ai pas de boots à fond. Hop, merci. Oh putain. Oh merde. Oh putain, je serai qui? Improbable action. Action Man, le plus grand de tous les héros, vient de survivre, yeah. Hop, des wards, hop, des trucs. Faudrait que je finisse mes boots un jour, et faudrait que je revende cette merde de prix de la mort, vu que je suis support maintenant. Super, toi aussi perds de l'argent. Ça, c'est le pire, c'est que je comprenais pas du tout. Ça, c'est mon côté un peu retarded kiddo, qui avait pas du tout fait attention au fait que pour eux, j'aurais dû aller sup. Donc c'est pour ça que je me suis permis de le proposer. Hein. Donc vous voyez que je suis évolutif, hein? Que je me... Mais elle se fout de la gueule du monde. You go left now. Non mais ce... Ah putain, mais c'est pas possible, le mec, il revient. C'est-à-dire que, en fait, c'est un troll. C'est le moment où tu comprends que le mec, il se fout ouvertement de ta gueule. Hein? Voilà. Alors, j'arrive de loin. C'est pas une très bonne idée. Je ferai même pas le stun. Si! Magnifique! Ah, putain. Ah non! Il m'a silence, putain! Mais c'est pas vrai, putain de merde, là! C'est quoi ces conneries? C'est un truc de folie. Maybe wait for us, Merc. Have no boots. Je sais pas, moi je dis ça, hein, mais... Il me fait, t'as pas des boots, hein, va. Ouais, mais attends, mais moi j'avais tir en face de moi. Il fallait que je survive, hein. Il fallait que je prenne des coups, là. Et que je me soigne. Voilà. Alors maintenant, on va se mettre à 8-16. Comment vous voulez qu'on en revienne, quoi, putain. Alors, Guan Yu, faut quand même savoir que c'est un perso qui tire pas forcément, à mon sens, son épingle du jeu en conquête. Par contre... Oh là là, par contre, si vous l'aimez... Ah, oh, ça me gratte. J'aurais pas dû toucher mon chat avant de jouer. Si vous aimez Guan Yu, jouez en siège. En siège, vous faites des scores. Je fais des... Je crois que le plus gros que j'ai fait en siège avec lui, c'était un 15-0 ou 15-1. C'était juste complètement fumé. Comment il est puissant dans ce mode de jeu. Bien sûr, My Mystic, hein, c'est une obligation. C'est en fait, avec son assaut Taolu, il fait tellement mal au jug. Et oh, on n'a pas l'RP non plus, on n'a rien. Ouais. Ok. Allez, je fais le slow. Voilà. Ok, raté, bien joué. Viens là que je te soigne. Mais merde, tu commences à me faire chier, Mercury. Putain, mais merde, je te dis de pas y aller, là. Bon, allez, l'autre, il est en l'air, donc... Résultat. Faut que je revienne le soigner. Hop, rien à foutre, moi, j'y vais direct. Bon, allez. Tu commences à me courir aussi, Athéna. Qu'est-ce que c'est que c'est... Oh, j'ai plus de mana. C'est la maille. Putain, de la mana, vite. Elle pourra pas crever, elle va recharger son tir. Salope. Putain de... Elle a une régène de folie, mais merde. Ah, oh, j'en ai plein. Là, j'ai de quoi me soigner, je m'en fous. Putain, non, mais c'est pas vrai. Foutez-moi la paix. Oh là là. J'ai envie de lui dire, mais qu'est-ce que je viens de te dire, Mercury, de pas y aller tout seul. Putain. Mais qu'est-ce que vous voulez faire quand les mecs, ils sont... Quand les mecs, ils sont finis à la merde, quoi. Donc, je vais prendre le tabi de ninja. Pour avoir des temps de recharge plus courts. Je pense que je vais partir... Attention, alors là, tout le monde va rire. Rajouter les rires de sitcom sur une méditation pour avoir plus de mana. Parce que là, j'aurais dû tuer Athéna si j'avais eu de la mana. Et me soigner, vu que visiblement, je suis tout seul, putain.
Moi j'aime bien quand on a un tank bien dégueulasse de prendre de prendre cette putain de méditation supérieure. Par exemple Brunet Hercule, le mec il galère à te tuer et tu fais un coup de médite quand il pense te tuer, t'es là et t'as refait le plein de mana, donc tu peux faire un dash pour fuir ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est pas très fair play en fait comme item sur certains personnages qui peuvent déjà se soigner et qui sont très tanky, c'est horrible. Non, n'abandonnez pas, on se marre, regardez, je m'amuse. Depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut... Mais Mercury, t'es sérieux ? Oh putain, ah mais en fait, si je dis pas oui ou non là, ce sera pas fini. Ouais, alors là, il y a un moment où... Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici, là ? Là, tout de suite, là, hein ? Hop, je te slow, hein, on va te buter, tu sais, on va te buter quand même, hein, regarde. Hop, voilà, je fais des... Je tape dans tous les sens, là. Aïe, 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 aïe. Non, mais merde. Mais c'est pas vrai. This is not a reason to go suicide. I won't sure because you play stupid. But I'm getting popcorn. This is really funny when you are flaming. Voilà. Le moment où le mec, ça va se sentir ridicule. Quand on lui dit finalement qu'on se fout de sa gueule un petit peu quand il... Quand le mec il flame à fond, etc. Moi je trouve ça bien. Moi je trouve. Il faut un côté humain dans ce jeu vidéo. Il faut se moquer des gens qui sont cons. Ouais. Mais bon. Jusque-là, je me retenais bien de rage. Mais là, je suis un peu fatigué de la journée déjà. Donc je fais ça. Ça passe pas. Je commençais bien en plus. J'étais pas encore mort face au tir. Le solo, c'est une lane qui est quand même très spéciale. Le plus important, c'est de pas mourir. Et t'as piqué mon bleu, enfoiré là. Vas-y, mais moi je t'empêche de... Ouah, il est niveau 20, putain, j'avais pas vu. Non, je rigole, mec, je rigole. Putain. Alors. He said ADC. Looks like we have only blind people here. Bref. Et donc ouais, je vous assure que je ferai pas toujours des games où je suis un peu en mode vénère quoi, hein. Et ben non mais alors c'est pas ça que j'étais en train de dire, bordel. J'essaye de m'y recoller. Je disais le solo, voilà. Quand le mec en face commence à prendre un level de plus, c'est, généralement il va enchaîner. Après il y a beaucoup de solos qui sont très très posés. C'est-à-dire par exemple un Shaq qui joue pas agressif en début de game, faut faire très attention parce qu'il va vous remonter à un moment. Il y a 2-3 items et une fois que Shaq les a, ben après il vous met des coups de Nunchaku. Vous avez vu un peu comment je l'ai fait devenir la blague là? Allez ouais, putain, mais c'est quoi ces levels de barjo qu'ils ont? Putain, et moi je suis niveau de merde quoi. Mais crève! Mais crève! Putain! Mais va te faire... Ouais, alors ça, putain, je m'en serais bien passé de me faire ninja le frag comme ça, là. Allez, hop, voilà. Mais le mec, il m'a mis le coup de faux, j'étais en train de... Putain. Ça commence à me faire chier. Alors. Bon, visiblement, ceux qui me font le plus de dégâts, c'est pas les deux magiques pourris, donc je vais prendre encore un peu de def fizz. Ouais, je vais partir sur une poule de l'oursin, tu sais, ma gueule, là. Ouais, ouais. De toute manière, on va perdre, on vient de perdre un phénix. Bon, de toute façon, j'avais gagné deux games d'affilée, donc dans les vidéos avec vous, il me semble que... Voilà. Que c'est pas possible de faire mieux. Et après aussi, comme j'ai pu vous le dire, je joue plus autant qu'avant. Ce qui fait que forcément, ça se ressent sur mon niveau de jeu, je le vois, hein. Il y a des fois, putain, j'enchaîne les games et je prends des grosses branlées, alors qu'avant, c'était un peu dans l'autre sens. Il y a eu une période où je jouais beaucoup, beaucoup tous les jours, et j'ai commencé à remonter un peu mon pourcentage de victoire, mais là, c'est vrai que je suis pas... je peux pas me la péter, quoi. Ah, ils ont eu le Fire Giant, en plus. Ah là là, l'hécatombe du slip, mes amis.
Alors, non, moi, je surrenne toujours pas. Moi, je suis un gros malade mental. Alors, attends. Hop. Voilà, tu tombes plus loin. Et moi, je me casse maintenant. La, 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 la. Je m'en bats les couilles de Tonton et de Thanos. Moi, je pars en courant. J'ai pas peur de vous. Je fais un assaut. J'ai ma truc qui soigne ma méditation. Putain, je veux survivre, mais foutez-moi la paix. Mais vous êtes sérieux? I can't. Just remove the key. Voilà. Nope. I love too much. Non, c'est bon, on va arrêter de le... Non, moi je m'en fous. You're so funny. I know. Like you. Ouais, le nombre de fois dans ma vie que j'ai tapé des messages dans les jeux que j'ai supprimé, que je n'ai jamais fait. C'est un truc de folie, les mecs ils ont gagné. C'est comme ceux qui surrendent quand vous êtes en assaut alors qu'on est en train de taper le phénix. Enfin le titan. C'est d'ailleurs le titan. C'est vraiment, laissez-les gagner, c'est la victoire. Alors je sais bien qu'il y en a qui n'aiment pas perdre quelques minutes, mais c'est juste, on n'est pas obligé de surrender tout quoi. Hein, vous pouvez aussi laisser la joie de ceux qui vous ont battu juste finir la game. Alors après il y a aussi ceux qui font, oh, ils ont qu'à abandonner, putain ils ont déjà perdu depuis 10 minutes. Oui, oui c'est vrai, il y a aussi ça. Mais sur un assaut, vous savez, nombre de games d'assaut qui remontent parce que vous avez réussi à tuer le tank par exemple adverse et d'un coup vous explosez toute l'équipe en face et vous remontez. Et ben ça arrive assez souvent quand même, mais c'est un truc de folie, comment ça me gratte, vous avez vu? Non, c'est honteux, ouais je suis d'accord. Oh ouais, vas-y, en plus tu spam audio, mais t'es génial comme mec. T'es le genre de joueur qu'on aimerait tous être et avoir dans nos amis. Alors, en tout cas, j'ai pu voir qu'il y en avait quelques-uns qui m'avaient ajouté en ami sur Smite et qui me posent des questions ou des trucs. N'hésitez pas, hein, même si je prends pas toujours le temps de jouer, quand je me log, n'hésitez pas si vous voulez ne serait-ce que jouer avec moi. Bon, alors me demandez pas, me dites pas on joue ensemble sans savoir quel mode, vous pouvez directement me dire on fait une arène, vas-y. Ça c'est mieux, parce que bon, bah moi je m'en fiche un peu. Hein, je cours plus après les victoires. Ouais, alors non. Non, putain, j'ai pas de défense magique. Tu vas me casser les fesses. Arrête. Ouais, t'as vu ça un peu comment je me casse avec la méditation? Oh merde. Wapapalapa, t'es trop nul, Thanatos. T'essayes, t'arrives même pas à viser. Ça aurait été méga, il me l'aurait mis dans l'arrêt. Bam. Et donc, ouais, n'hésitez pas à me poser aussi toutes les questions que vous voulez sur le jeu. Même si en ce moment, au niveau de la pratique, je suis pas très fort. En théorie, je suis un peu plus sûr de moi. Et vous êtes aussi quelques-uns à m'avoir demandé des modes, des guides de modes de jeu. Quand j'aurai plus de temps, je m'y attaquerai volontiers. Hein. C'est... mais c'est pas possible de faire un jeu. Ok. Bon, j'ai failli me faire crever par les creeps avec tout ça, moi. Hop. Alors, on fait moins les malins quand je vogue. Bon. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. Hein. C'était très important. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette vidéo. Je fais semblant de jouer depuis tout à l'heure. D'ailleurs, Niwa, c'est mon chat qui joue sur le deuxième ordi, vous voyez, donc c'est normal. Ah ah! Oh, mais merde! Pourquoi je pouvais pas dash? Et t'es où, Niwa? Merci! Putain, j'ai failli crever! L'autre, elle me regarde genre. Si tu envoies le truc, tu peux te sauver ou pas là? Je sais pas, fais-le, putain, ça pose pas des questions. Bon. Next. In the city. Pépapirepou. Ta-ta-ta-na. Ah oui, un Annie d'ailleurs. On m'a demandé de jouer avec Annie. Plusieurs, vous m'avez demandé. C'est bien. Ah oui, alors aussi, bon, bah, vous formalisez pas sur les. On m'a demandé Sobek par exemple ou Sun Wukong. C'est les persos que j'ai pas. Vous inquiétez pas, tôt ou tard, je les aurai. Prenez pas ça comme. Je veux pas faire d'efforts. Faut que je ferme les faveurs, les enfants. Je les achète pas avec des gemmes. Donc, voilà, vous inquiétez pas, ça viendra ou au pire, ce sera sur des rotations, hein. En plus, dans un coffre, une fois, j'ai eu le droit à la skin de Sun Wukong. J'étais là, mais génial, j'ai pas le perso, qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Putain, il reste, vous foutez de ma gueule. Genre le mec hyper vénère. Et j'en ai pas que vous me faites chier. Là, je commence à avoir chaud avec tout ça, là, putain. En plus, j'ai pas de cheveux pour retenir quand j'ai chaud tout ce qui coule de mon front, tu vois. Hein, la sueur de mon front, j'essaie de gagner, moi. Alors, il faut savoir que Thanatos, c'est un late game pas terrible. Ah oui. Donc à partir de là, si on arrive tous à être niveau 20, on peut éventuellement gagner. Je dis ça, mais on est quand même à 15-32, hein. On n'aura pas le matos. Hop, t'as les coloris du jeu, je trouve là, ils sont vraiment... Ah ouais, ah ouais. Ah putain, mais ça fait mal, bordel. Mais fous-moi la paix, toi, Rama.
Ram, espèce de ramassis de merde, fous-moi la paix. Genre, salut, je m'appelle Jean-Louis Méga Vénère, ok. Hein. Mon père était Albert Vénère. Ok, mon oncle s'appelle... Usural, tais-toi. Oh putain, mais Usural, mais ferme ta boue, putain, c'est pas drôle, là, tais-toi. Ils sont tous... Alors, ils y sont tous. Là, je vais faire une attaque surprise Blitzkrieg dans le dos à Dada. Vous êtes prêts? Alors, faut savoir, souvent, les gens, ils vous tournent autour pour faire le dernier coup du dada, mais si vous... Hop, vous pouvez le cancel, hein. C'est très important pour calculer et faire des dadas complètement meurtriers. Ah, ah, comme ce que je suis en train de prendre. Hein, voyez? Voyez? Ok? Voyez? Donc voilà, vous pouvez le faire, clic droit, sur la config de base. Donc pensez, vraiment, c'est important, parce que des fois, vous allez sortir de la zone, le mec, enfin, vous allez trop vite, il va reculer. Vous êtes là, mais putain, si je l'avais touché, que je l'avais stun, il serait mort. Bah, vous pouvez l'arrêter. Vous pouvez faire moins de bruit quand vous nous battez, s'il vous plaît, là. Hein? Un putain! Un putain! Comme d'habitude, vous avez dans la description le lien de ma chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner à Smite France, c'est hyper important. La mienne, vous pouvez le faire aussi, mais bon, bah, si vous cherchez du Smite, maintenant, tout se situe ici. N'oubliez pas, toujours aussi, on est sur les Game Live maintenant, de jeuxvideo.com. D'ailleurs, ceux qui ne nous trouvent pas, vous allez dans les streams, onglet MMO, compétition, et on est là, parce que pour le moment, c'est pas très bien rangé. Donc c'est là qu'on est, et on vous attend, il y a toujours des giveaways et tout ça. Ok, vous voulez des gemmes, vous voulez vous faire plaisir. Tir OP, ouais, t'as raison, mec, t'as tellement bien joué. Bref, quoi qu'il en soit, on se retrouve dans les prochaines vidéos sur Smite, les petits loulous. À la prochaine! Oh yeah!